aventure qui a commencé, ça fait combien d'années? Deux ans, on en a rêvé. La pandémie nous a joué des tours, mais aujourd'hui, le fait d'être là en présentiel, c'est comme, on dirait un miracle, mais effectivement, c'est un miracle. Faire rayonner le Québec, une lèvre à la fois. Voir des jeunes Québécoises et Québécois réussir en français est pour moi une grande source de fierté. Non, ce n'est pas facile de faire face à un auditoire dans un contexte de compétition et de devoir relever le défi. On est de tout cœur avec vous, on vous souhaite le meilleur des succès. On vous souhaite surtout de vous amuser et de garder votre intérêt pour la langue française. Grâce à cette nouvelle édition de Concours Intellement Canada, dans notre région, nous sommes motivés déjà. Je vois ça dans vos yeux. Je sens que vous êtes excités. Et je prends l'occasion de féliciter tous les organisateurs. Résumé. R, accent aigu. S, U, M, E, R. Résumé. Correct. Lotissement. L-O-T-I-S-S-E-M-E-N-T. Lotissement. Correct. Pour avoir beaucoup d'amis, ou bien est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir peu d'amis? Peu d'amis, parce que si tu veux avoir ton espace personnel et il y a trop d'amis, tu peux pas avoir ton espace personnel. Parce que si un part en voyage, on aura d'autres amis pour jouer avec. Faut-il toujours dire la vérité? C'est mieux de dire la vérité, au moins on pourra t'aider. Puis aussi, quand tu dis pas la, quand tu mens, tu perds la confiance de la personne. Puis c'est pas vraiment le, ben c'est pas agréable de perdre la confiance de quelqu'un. Je lui fais toujours confiance dans n'importe quelle circonstance. Elle me comprend toujours et a toujours mon secours. Mon enseignant enseigne sur le ciel. Mon enseignant enseigne sur la grêle. Mon enseignant enseigne sur le monde. Mon enseignant enseigne en moi. Je me suis bien entraînée, j'ai appris de nouveaux mots. Même si j'ai perdu en moi, j'ai participé, je me suis amusée et j'ai profité. Et j'ai eu même des nouveaux amis. On est tous des champions et merci à vous tous.